Et Hélène a eu l'idée des mamelles, qui est un texte qu'on a trouvé contemporain, et voir comment justement une pièce qui était écrite en 1903-15-17 peut être d'actualité aujourd'hui. Effectivement, ce qui est intéressant dans cette rencontre, c'est peut-être la diversité de nos origines, enfin la diversité de nos chemins artistiques et cet univers du clown. Effectivement, c'était assez judicieux, je pense, de leur part de vouloir que ça fasse partie du projet, la réécriture d'une forme poétique pour pouvoir croiser à la fois les mamelles de Tirésias, parce qu'il y a aussi d'autres textes d'Apollinaire, des textes de Sandrart, il y a un mélange, et puis il y a nos mélanges particuliers à nous. C'est vrai que la poésie d'Apollinaire est très vivante. Ce poète qui a été plein de choses, plein de métamorphoses, plein de personnes, plein de morceaux de partout, plein d'identités, plein de couleurs, plein de... Voilà, et on prend les êtres humains tous entiers, et je crois qu'Apollinaire, c'est ça.